Maintenant, il y a plus d'informations pour qu'on ait qui j'en satire et qui passe. Donc, hier, nous étions là hier, jeudi, nous là encore. Nous venons accompagner les policiers. Et nous avons dit nous là que SPNH 17, au moment où je parle là, service de communication, secrétariat SPNH 17, de conseil avec avocat nous, yo a pral écrit inspection générale pour demander pour prendre mesure contre commissaire Aladin qui était responsable commissariat et DDO. DDO 1. Non seulement pour retirer yo de responsabilité yo, et deuxièmement, il faut gagner des suites, des sanctions pénales. Parce qu'il est dit clair, et on dit apprendre dans sa académie, et il dit que refus d'apporter d'assistance à une personne en danger, c'est une infraction prévue par la loi. J'en ai dit hier, là, et que les DDO étaient là, le commissaire a été là, le tout monsieur après les a demandé secours. Pas de yon qui devait porter secours. L'autre policier qui était là, qui va même tap travail, qui vient là, qui tend des bagages là, qui vient pour venir bailler. Policier, aide, pour aller retirer. Je ne suis pas capable d'oublier phrase, sa déclaration. Luc Eliezer, tap dit, policier, monsieur, je connais nous contre bataille, je connais nous contre bataille. Je gagne, yon petit monde qui gagne 3 mois. Est-ce que tu as quitté mourir, monsieur? Venez aider, nous ne pouvons pas avancer sur nous, mais yon envahi nous. Eh bien, commissaire Aladin n'a pas voulu par les âmes pour monsieur al sauver les gens. Le plus triste dans tout ça, c'est que li allé dans l'armurerie, li ouvert casier pour montrer que par les âmes. Les policiers ont persisté. C'est là ça, la ouvert machine. Et machine a gagné 5 âmes là-dedans. 5 fusils. 5 âmes longues, 5 manches longues. À toute munition là-dedans. Qui donc. Il quitte les policiers, il mourit. Ça veut dire que non seulement il commet une infraction parce qu'il n'a pas aidé les policiers, il n'a pas porté secours avec les policiers, qui sont frères d'Amio. Et il dit dans l'académie, ou ne te mettez pas en uniforme, ou dans la rue, ou il y a un monde qui a besoin d'aide. Et tant que les policiers font aide, il faut porter l'assistance. Ou pas porter l'assistance, ce sont infractions que nous. Il commet une infraction, ça fait une. Et deuxièmement, le fait que ça me dans la machine, le pas de baillot, son acte de complicité. Et donc, nous-mêmes en dedans, SPNH 17, nous demandons et nous commençons à écrire là dans le moment, inspection générale, non seulement pour saisir le dossier, et deuxièmement, prendre mesure contre tous les deux et responsables ça yo, qui c'est CPA et DDO. DDO pas pour mettre rien, DDO pas pour mettre rien, tout ça va dans le niveau. Ok, ça c'est dans le niveau, puis on a plus au niveau institution. Ok, donc. Bon, DG est envoyé représentant, le représentant au Vinda, il y a autant de doléances et policiers ont toujours été morducus. Parce que yo dit que, et nous-mêmes, au niveau SPNH 17, avec de concert avec les policiers, nous accordons l'institution 3 jours francs pour prendre toutes mesures et puis pour toute bagaille dans le commissariat pour tourner non normal. Mais qui je comprends ça? Si 3 jours ça va, ça va pas faire. Comment? Après tout ça qui nous passe là, où un pile policier et prendre des secours pour sécuriser le carnaval là, qu'a là. Bon, sécuriser le carnaval là, il est entré dans 4 travail policiers. Ok, c'est ordinairement, c'est qu'on s'est toujours eu, qu'on s'est toujours fait. Donc, ça arrive que les policiers ont des grands, ont des frustrations, ouais, mais ça ne va pas empêcher que vous faites devoir. Yo. Ok, il faut que vous fassiez devoir. Ça arrive que nous tellement crié, nous tellement demandé, nous tellement dit, mais qui va nous dire, mais ça nous besoin, mais ça nous va occuper nous. On est capable de choisir et prendre une décision soit pour camper travail
pendant un certain temps. Là encore, toute institution va faire camper le travail. Ok, donc la fête graduellement jusqu'à ce qu'elle arrive à 100% si on récupère. Si 3 jours passés, rien pas fait. 3 jours passés, rien pas fait. De conseil avec les policiers. On a toujours été avec les policiers. Là, pour l'autre niveau, je veux dire, c'est le commissariat qui était inactif. C'est les policiers qui parlent le travail, qui pas dans la rue frustré. Mais là, pour l'autre niveau, c'est là, rien apprend. Aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez? On va penser ça, non? On va penser ça parce que le commissariat a gagné effectif, base a gagné effectif. Ok, l'on dit base, c'est-à-dire et toute unité a gagné effectif. Donc c'est un problème qui est plus haut, qui était au niveau de haut état-major là. Ok? Yeah, c'est ça que fait, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons qui fait que. Un, je me suis dit tout à l'heure, je supposais décharger des responsabilités. T'es DDO, on va DDO encore. T'es CP là, pas qu'à CP encore, ça c'est une. Et deuxièmement, il faut aller à l'inspection générale. L'inspection générale a fini de faire ça pour le faire en niveau parce que faut que administrativement bagaille au fait faut que décision interne yo prend. OK, isolement pas bien connaît. Après ça je ne sais dire selon ça la loi lui même ni prévoit pour complicité et ensuite refus d'apporter l'assistance à une personne en danger, c'est pour l'aller et pénitencier, faut qu'il y ait les pénitenciers. Et c'est pour ça la coopération. Oui, t'es une opération. T'es une opération. Ok? Et ceci, nous t'ai dit hier, et ça que nous surtout demandé pour le commissaire là, lui capable pleurer, parce que classe Stanis, il était en communication permanente avec elle, sur un numéro V37, qui finit par V37. Il était en communication avec elle. Donc, pour y aller, pour y faire des échappatoires, pour y retirer les corps, pour dire que vous n'avez pas d'opération, c'est une affaire personnelle. Et même si c'est une affaire personnelle, est-ce que un policier pas qui doit apporter assistance avec un policier qui est en danger? Pour nous apporter assistance avec des citoyens, mais pour qui citoyen qui apporte assistance avec un citoyen pareil qui est en danger? Qu'en est-il de un policier pareil, un policier avec un autre policier? Donc, c'était une opération belle et bien planifiée. Après ça, tu fais moral policier. Moral yo à zéro parce que tout simplement le poko ouais commissaire Aladdin et ensuite et DDO. Nous allons courir aller dans le bédé, c'est commencer dans l'isolement. Mais le commissaire là, il va finir le commissariat depuis. Ok, c'est ça, toujours fait pour l'argent, c'est ça pour faire pour ni monde qui regarde et tout. Mais le commissaire va mettre pied dans le commissariat? Il va mettre pied dans le commissariat. Il va mettre pied dans le commissariat.